Je suis ici au large du Panama, où vient juste d'être découvert ce qui pourrait être le cercueil du légendaire explorateur Sir Francis Drake, qui a été jeté à la mer il y a plus de 400 ans. Tu es sûr de vouloir profaner la sépulture de ton ancêtre de cette manière? T'as l'air de trouver ça horrible. Au fait, depuis quand tu me crois? Ben, j'ai fait des recherches, et apparemment, Francis Drake n'a jamais eu d'enfant. Les historiens se trompent parfois. Par exemple, on ne profane pas un cercueil vide. C'est pas vrai! Petit filou. Qu'est-ce que c'est? Allez, montre-moi. Non, pas question. On a parlé du cercueil. Point barre. Attends une minute, si mon émission n'avait pas financé cette expédition, t'as eu ton scoop, chérie. Écoute bien, Drake, t'as signé un contrat. J'ai le droit de voir absolument tout ce qui... On peut reparler de ça plus tard. Sully, on a des ennuis, magne-toi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Des pirates. Des pirates? Ouais, des pirates modernes. Ils font pas de prisonniers. Enfin, pas de prisonniers hommes. Mais de quoi tu parles? Tu crois pas qu'on devrait appeler les autorités? Oh, c'est une super idée, mais on n'est pas vraiment autorisé à... à être ici. Quoi? Ouais, si tu veux pas finir dans une prison panaméenne, on devrait s'en occuper nous-mêmes. C'est quoi le pire? On voit bien que tu ne connais pas les prisons panaméennes. Tu sais te servir de ça? Ouais, c'est comme une caméra. Faut juste... je vise et j'appuie, c'est ça? Parfait. C'est parti. Salut tout le monde, c'est TigerClaw. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau let's play. Vous l'avez deviné, rien que devant vos yeux, c'est Uncharted. C'est la version remasterisée du premier sur PS4 en version haute définition. Je vais vous faire les deux autres après parce que bon mois de mars, nous avons le quatrième et dernier opus de la saga qui sort sur les consoles PS4. Enfin, console PS4. Après PS3, je ne sais pas. Moi, je suis sur PS4. J'ai racheté la collection Nathan sur PS4. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nous devons donc nous défendre. Donc c'est parti, on continue. Comment nous ont-ils retrouvés ici? Ces types me suivent depuis des semaines, je pensais en être débarrassé. Alors, qu'est-ce que tu leur as fait? C'est une longue histoire, tu sais. Allez-y, les enfants, montez. Hey!
Il a une sorte de lance-roquette. Ouh. Ah, ça craint là. Ah oui, ça, ça craint. D'accord, mais là, ça, ça craint de chez craint. Laissez seul une minute, mon pote. Hé, hey, j'avais la situation en main avant qu'il fasse sauter le bateau. Tu vas bien? Quelques années de thérapie, ça ira. Je reconnais bien là la belle et talentueuse Elena Fischer. La flatterie vous fera passer à la télé. Eh oui, je suis plutôt du genre à travailler dans l'ombre. Victor Sullivan. Oh. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous diriez de partir avant qu'on se fasse à nouveau remarquer? Bon. Ça, c'est un petit cadeau de Sir Francis. Alors, t'as trouvé le cercueil? Une petite minute. Est-ce que c'est ce que je crois? Ah, le journal perdu de Drake. Il a simulé sa mort, comme je le pensais, Sully. Il devait être sur un gros coup. Ouais, bon, sans garder ça pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Drake. Je crois que j'ai bien mérité de jeter un petit coup d'œil à ce journal. Écoute, alors qu'il naviguait dans le Pacifique, Drake prit la flotte espagnole par surprise. Il captura leurs navires, il prit leurs cartes, leurs lettres, leurs journaux. Et il reporta tout ça dans ce journal. Alors ça... Mais... De retour en Angleterre, la reine Elisabeth confisqua tous ses écrits de voyage, y compris ce journal. Et elle fit jurer à tout l'équipage de se taire. Oui, alors ça... Tu vois, Drake a découvert un truc lors de ce voyage, Sully. Quelque chose de si secret et de si important qu'il ne pouvait pas l'ébruiter. Ok, Nate, imagine que tout ce que tu me racontes ne m'intéresse pas et viens-en directement au fait, ok? Ah, c'est ce qui s'appelle aller droit au but. Tu dois avoir du succès avec les femmes. Disons qu'elles se plaignent pas. Ok, alors passons aux choses sérieuses. Regarde ça. Oh, oh, oh. Hein? Ce foutu Eldorado. Il était sur un gros coup, hein. Il dit autre chose? Oh, alors maintenant ça t'intéresse? Ouais. Eh bien, malheureusement, non. La dernière page a été arrachée. Je te le dis, Sully. Ça y est. Cette fois, ça y est. Ouais. Seulement, on aurait comme un petit problème. Oui, c'est ce que j'ai dit, il a sauté. Il a coulé. Non, c'est pour ça qu'on a une assurance, non? Non, la caméra, non. La caméra, ça va. T'inquiète pas pour elle, hein, non? Elle est comme neuve, t'inquiète. Sully, la fille sait se tenir. Tu l'aurais vue. Bien, alors va dehors et dis-lui, on vient juste de trouver la Cité d'Or. C'est son producteur qui va être content. Oh, c'est bon. Nate, tu me fais confiance? Plus ou moins. Bien. Parce que le premier blaireau venu va vouloir faire la course au trésor contre nous, à moins qu'on se débarrasse d'elle, tout de suite. T'es un vrai gentleman, Sully. Je sais. C'est nul. Elle s'en remettra. Non, je me fiche qu'on dépasse le budget. Écoute, tu te rends compte que ça pourrait être la plus grosse histoire de l'année? Salut. Non, j'ai pas confiance, ok? C'est pour ça qu'on doit faire vite. Envoie-moi l'équipe de tournage et je te promets que je vais pouvoir. Les enfoirés. Hey!
Vraiment, j'aurais dû m'en douter. Oh, attends. Attends, petit. Je suis plus tout jeune, tu sais. Ah. Mais t'étais assez jeune pour cette serveuse à Lima, pas vrai? C'était différent. Alors, quelques petits réglages. Un volume. Voilà, voilà. Alors, je vais en rester là pour cette vidéo. J'espère que, vidéo vous aura plu sur Uncharted. Et que vous allez continuer à me suivre sur ce let's play. N'oubliez pas de faire un pouce bleu, de mettre un commentaire en dessous de la vidéo, de vous abonner, d'abonner vos chaînes, vos proches, voilà, cherchez. Je mélange tout, je suis désolé. Moi, je vais enchaîner sur la suite, le chapitre 2, donc à la recherche d'Eldorado. Donc sûrement que je vous le mettrai en ligne à la suite ou le lendemain ou quelques jours plus tard, je sais pas encore. Voilà, voilà. C'était donc Tiger Claw. Salut tout le monde et à la prochaine. Salut tout le monde.